Salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour la suite du Let's Play sur Civilization Beyond Earth. Merci pour l'anglais. Alors, qu'est-ce qu'on était? On était avec Mandira, une petite ville ici, et Saïra, la deuxième ville qui vient à peine de se développer, qui est passée du stade d'avant-poste au stade de ville, avec deux pop qui va bientôt passer à trois. Tous les autres joueurs, enfin l'IA, sont arrivés. On est assez proche ici de Freeland, qui est la capitale de la Polystralis, Ferrer, voilà. Il est enthousiaste envers moi, tout va bien, c'est le début, on s'aime. Je crois même qu'on a signé une déclaration d'amitié. À côté, là, on a les Africains, Samantar Jamabar, pardon, avec qui on est neutre. Là, c'est la Franco-Ibérie, aussi neutre. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, ça c'est une station avec qui je peux commercer. Ok, donc dans l'idée, je pense que je vais me développer une prochaine ville dans cette zone. Et là maintenant j'ai deux unités militaires. Je voulais pas trop m'y aventurer parce qu'il y avait quelques itis qui traînaient dans le coin. Et puis peut-être après là-bas en haut. La raison est qu'il y a des ressources stratégiques ici, notamment de la Phyraxite et là de l'Aeroche qui me permettra de me développer. Je ne sais pas encore le plus dans quoi, probablement la pureté au niveau des affinités et un peu de suprématie. Ok, donc on va pouvoir avancer dans les tours maintenant. Une nouvelle station, Shackleton, qui fournit de la culture, de la production et de la science. Ok, elle est loin. Ouais, là je pense qu'il y a l'océan qui est ici. On va pas pouvoir commercer avec tout de suite. Alors, expédition, oui. De la production en plus. Voilà. Il a terminé. Je vais aller le recharger parce que vous souvenez qu'il faut un module d'expédition. Donc il doit aller à chaque fois retourner au sein de ville. Oui. Parle pas en même temps que moi, connard. oui. Peut-être que je devrais enlever tout ça. Parce que je commence à connaître. Décision de quête, déjà là, oui j'étais en souci de santé, on va construire la cytopépinière, ça m'équilibrera le tout. Décision de quête, ah oui c'est pour les barrières ultrasoniques, est-ce que les convois commerciaux ne seront pas attaqués par les unités extraterrestres, ça peut, ouais. D'habitude je conserve le concept original et j'augmente la portée, mais là je suis pas trop embêté, j'ai envie de commercer, donc on va faire comme ça. Plus de soucis avec les convois commerciaux et les extraterrestres, normalement. Non, on va aller vers pureté et suprématie, comme on l'a dit. Je vais envoyer mon rover dans le coin, commencer à prospecter pour la suite de l'expansion. Explorateur, c'est bon. Ah, mais je croyais que je l'avais... C'est un nouveau satellite ? J'ai pas fait attention, il me semblait que je venais justement d'ici. Évidemment, je me fous dans les miasmes. Ok, alors, bon bah alors. Explore. La quête. Monter une expédition, la quête. C'était quoi cette quête de... J'ai loupé un truc là. Fardeau culturel. Drainer le lac de Xenomas. Alors il faut que je draine le lac. C'est avec des ouvriers qu'on fait ça ou... Alors je vais le désautomatiser. Enfin lui dire de venir. Et puis toi, bah casse-toi. Alors vu que si j'exploite ça, je perds la quête. Ce serait dommage. Alors toi, on va voir ce qui se passe là. Si tu peux drainer ce lac. Bon, pas trop d'extraterrestres par là. Ouais, il y a de quoi faire une ville, il me semble. Hein. Faut tout qu'un avant-poste. On va se mettre en sommeil ici. Alors, voilà, j'ai ma santé qui est revenue à zéro. Recycleur pour de la production supplémentaire. Ou le vivarium. Ouais, il faut que je... Pas trop de croissance pour l'instant. On va aller vers le recycleur. Est-ce que dans tout ça, je peux avoir... Voilà, je pourrais avoir un bonus en santé à plus 7, mais alors, faut aller jusque là-bas, en bas. L'expansion des frontières coûte moins 25, mais là, je pourrais débloquer... Ah, ça va me faire de la croissance en plus.
Je vais développer un petit peu de science. Ouais, un peu de science. Se concentrer sur l'amélioration des fonctions corporelles, donc ça c'est pour l'industrie pharmaceutique ou pharma laboratoire, ouais, plus sain en santé. Voilà, ça va mieux. Je sais pas si c'est absolument nécessaire d'être toujours positif si on peut pas tolérer un tout petit peu de négatif. J'ai découvert la physique. D'accord. Et puis on va compléter le premier cercle. Avec l'informatique, ça me donnera bon les missiles nomades, navires armés, ouais, il y a un océan à côté, l'agence de renseignement et puis les réseaux pour la science. Oui, alors, est-ce que j'ai construit un générateur, construit une route, une mine, route vert, drainé, voilà. Mise à jour de la quête. Notre expédition est parvenue à sauver la sonde, mais au prix de la xénomasse. Après examen, il s'avère qu'elle contenait des archives culturelles et un compte-rendu technologique du voyage du groupe Cestus dans l'espace. Malheureusement, les dégâts subis par la sonde sont tels que nous risquons fort de perdre certaines données en tentant de les récupérer. Bon, et alors, est-ce qu'on sauve les archives ou on récupère la technologie? On a quand même plus d'aéroches dans le coin. Allez, on va vers la pureté, on est des purs. J'aime pas trop, c'est un petit peu nazi sur les bords comme concept, mais enfin bon. Plus 8 en affinité, en pureté et 65 en culture. Ouais, là j'ai ma jauge qui monte, je vais bientôt être niveau 1. Après, ça monte plus vite, hein. Ça sera fonction des technologies qu'on va débloquer. Où est-ce que je pourrais en... Ouais, bah il a fini, lui, on va le réautomatiser. Ah, il y a un peu de Phyrexite là-bas. Ok, ça se termine ici. Mon explo. J'aimerais voir ce qui se passe un peu au nord. Alors on peut construire. Oh, je suis en train de perdre l'énergie. Ah bah j'ai plus 3 en santé, on va construire le vivarium. Cito pépinière, je peux construire tout ça ici. Réacteur à thorium, ça c'est. Ouais, le recycleur. Il faut qu'elle produise plus. Et puis là, j'ai de la santé en suffisance. Donc on peut croître. Alors, ça c'est réseau colonial est maintenant alimenté par un réacteur à thorium. Oui, on a besoin d'énergie. Ok, on n'est plus qu'à moins 1. Veuillez m'excuser, mais je peux peut-être vous aider. Oui. Terrasse maritime, ouais, ok. Ah oui, les navires marchands, ça peut être pas mal. On verra, ça ira, je pourrais en construire normalement. On me dira non parce qu'elle n'est pas au bord de la mer. Il se passe rien. Tour suivant. Maintenant que vous avez gagné un point d'affinité en pureté, suprématie ou Ok. harmonie, vous pouvez choisir une amélioration pour vos unités soldats. Tous vos soldats en bénéficieront instantanément et changeront d'apparence. Et ouais. À mesure que vos niveaux d'affinité augmentent, vous pouvez améliorer d'autres types d'unités. Je le laisse causer comme ça. Ça m'économise un peu de salive. Nouvelle amélioration disponible. Ok. Ah, voilà, il nous est. Et les explorateurs sont 2 fois plus forts quand ils se défendent. Prochain bonus au niveau 3. Augmentation de puissance de combat à distance et puis de défense. Ok. Amélioration disponible. Donc je passe des soldats de base aux marines avec puissance plus 4. Choisir un bonus. Donc on a le choix entre 5 PV soignés lorsque l'unité n'est pas embarquée ou plus 15% en attaquant. Allez, on a des balls. Canonnier disponible au niveau 2 de l'affinité choisie. Donc c'est pas pour tout de suite. Merci, merci. Voyez, c'est assez plaisant dans les différents moyens d'améliorer ces unités. Il y a différents embranchements. Ça change un petit peu par rapport à Civilization. Faut l'admettre. Complexe de lancement, Ranger Marine. Ouais.
Colonisateur. Allez, hop, on va en faire un nouveau. Ça bloque la croissance, comme dans, quand on construit des colons dans Civ, de base, j'ai envie de dire. Il se passe rien. Il se passe rien. Oh, il a mangé quand même mon explorateur là. C'est pas grave. Je commence à en avoir de moins en moins besoin là. Concentrer les recherches sur la xénoécologie. Des explorateurs gagnent un module d'expédition supplémentaire. Ou maintenir un champ de recherche varié. Donc ça concerne mes laboratoires. On va se prendre plus de science. Ouais, j'ai pas cherché à les éradiquer parce qu'ils m'ont pas trop emmerdé pour l'instant surtout. De la xénomasse, mais d'ailleurs, ouais, là j'ai plus du tout de xénomasse, hein. J'ai dû toute la bouffer. Merde. Puis là, il n'y a pas de xénomasse. Non. Là, il y en a ici, il y en a là-bas. Bon, alors tour suivant. Unité en attente d'ordre, il peut avancer là. On a passé le tour. Ok. C'est assez vide. Ici, ouais. Alors, on a déjà le colonisateur. Allez, je vais le soigner un petit peu, lui. On sait jamais. Centre de réparation. Donc, c'est pour les productions d'unités terrestres. Complexe de lancement. Revers de combat. Un ouvrier en plus. Ça m'est conseillé de faire. J'en ai déjà trois. Deux, pardon. Oui, mais je construis une nouvelle ville. Pourquoi pas? J'ai pas envie de faire le centre de réparation tout de suite. Ou même, ouais. Convoi commercial. Hein. Ça, je peux faire. Oui, ça peut être une bonne idée. Alors, réactoratorium. Oui, je suis à moins 3. On va faire ça. Excusez-moi, j'ai une information importante à vous Oui, il me communiquer. fait chier avec le commerce. Ah, une nouvelle station, Fort Barca, ouais. Ouais, il faudrait que j'en fasse, c'est vrai. Ah, j'ai pas un site. Ouh, un ver des sables, au secours! Ah, il était juste là. Ah, il va me bouffer mon colonisateur, je le sens. Non! Qu'est-ce que je vais faire là? Un ouvrier, un combat commercial, allez. Encore un. Ah mince, je peux plus l'envoyer de là, donc il faut que je le change de ville d'origine. On va l'envoyer à Saïra. Développer une valeur. On était parti un peu pour la science. Et chaque case de ville génère de la culture pour chaque citoyen. Gagner 30% en menant à bien des expéditions. Ah bah on va gagner un ouvrier gratuitement. J'aurais dû faire ça, j'avais oublié. Et j'ai une valeur gratuite qui me permet d'avancer. On va aller. L'expansion des frontières coûte moins 25. Ouais, on va faire ça. Et santé plus 1 pour chaque ville. Ah. Est-ce que je fais le malin? J'aimerais bien me mettre par là, peut-être. Je pourrais atteindre comme ça. Est-ce que j'arrive? C'est quoi ça? C'est du cuivre. Le cuivre, c'est bien pour la science. Et puis, là, la phyraxite, je devrais y avoir accès. Mais par contre, l'aéroche, ça va être un petit peu loin. Ah non, j'aurai l'aéroche, mais la phyraxite sera loin. Faudrait que je me mette plutôt ici. Mais il y a ce putain de ver des sables. Ah là là, bon, on va voir. Alors, lui. On va le faire aller jusqu'à Fort Barca, ça va me donner de l'énergie plus 2. Oh, je suis à moins 5. Moins 2, ok. Alors, toi, tu vas m'aménager tout ça. Tour suivant. Il veut un y passage, ok. On voit qu'au passage, je lui sentir pas trop mal, mais alors en science, je le surclasse. Je vais d'abord avancer avec lui. Il n'est pas là le ver.
Ça pourrait être pas mal par là. J'ai les deux de Phyraxite. Il y a du pétrole dans la mer. Explorateur. J'ai pas tellement envie de. Allez, un complexe de lancement, tant pis. Alors, vitesse des ouvriers plus 10 ou nourriture plus 1. Ça, c'est grâce à. Ah, c'est une décision de quête. Je sais même pas quand je l'ai réussi ni pourquoi. Ah oui, alors, est-ce que je peux. Ça peut partir. Ah, il n'y a plus d'emplacement. Il n'y a plus d'emplacement, alors je le mettrai dans ma nouvelle ville. On va le mettre en sommeil. En attendant. Bon, on va faire la ville là. Enfin, l'avant-poste en l'occurrence. Ah, bah, il a fini de se guérir. Continue à explorer. Oh, il y a des bestioles par là. D'accord. J'adore les ordinateurs. Voilà, j'ai trouvé l'informatique. Opérations pénibles. Cartographie génétique, ça débloque l'arche génique et toutes les villes commencent avec un ouvrier gratuit. Bof. Réserve extraterrestre, culture plus 2. Et puis là, il faut que j'aille 2 en pureté, conception génique. Il me faudrait un petit peu d'énergie là. Je suis. Quelles sont les technologies qui m'offrent ça? Régie centrale, entretien gratuit et plus 1 pour moi, non? Suprématie. Communication. Non. Énergie plus 3. Pour la terraformation, c'est des puits de Gaïa. Il faut 4 en pureté. Ouais, je l'aurai pas tout de suite. Et là, énergie plus 3. Ouais, c'est en biologie. Là, c'est ce qu'il y a de plus accessible. Hein. Si j'ai des 2 emplacements de spécialistes, des commerçants, ok. Mais il faut des algues. Est-ce que j'ai des algues à proximité? Parce qu'on va pas développer ça si. Oui, mais là, c'est pas exploitable. 1, 2, 3, théoriquement, là, je pourrais exploiter des algues. Là, il n'y en a pas ici. Est-ce que je peux acheter la case? Oui, je peux acheter cette case. C'est bien des algues, d'ailleurs. Pardon. Oui, algues. Alors. J'achète pour de l'énergie comme ça. Je suis sûr que j'en ai. Et puis, du coup, ça vaut peut-être la peine de développer la biologie. Et puis après, il y aura l'agriculture qui me donnera de l'affinité pour la pureté éventuellement. Ok. C'est parti. Passe par là. On va le soigner au passage. D'ailleurs, j'avais pas mon satellite du début du jeu. Est-ce que je peux le bouger? Ah oui, mais je peux le. Ah oui, c'est seulement Voici quand la la vue ville orbitale. sera faite Elle que je affiche pourrais les le sorts larguer. d'effet des unités en orbite. En tout cas, Comme dans les la sorts zone que je d'effet ne veux. peuvent pas se chevaucher, il est préférable de planifier vos lancements. Cette vue montre également C'est votre bon, zone de reste couverture de là. lancement Oui, depuis laquelle merci. vous. Je désactiverai les aides, hein, je crois, la prochaine fois. Oui, les réseaux, ça me donne la science en plus. En plus, j'aurais du. Cuivre normalement que je pourrais exploiter ici. On va faire le réseau. Il a fait le réactoratorium, on est à plus 1 maintenant. Relique de la Terre ancienne, ouais, un peu de culture en plus, ça fera pas de mal. On est seulement à plus 3. Hein. Pas beaucoup développé la culture, moi. Surtout fait énergie, enfin énergie non, production et science. Ah bah voilà, je tombe sur leur nouvelle ville. Ce sera ici. On se casse. Ok. Au prochain tour, normalement, l'avant-poste se transforme en ville. Ah non, c'est celui d'après. Un nid d'extraterrestre, mais c'est là-bas. Ça va. Alors, tac, on a une santé à plus 1, on va développer la cytopépinière ou le laboratoire d'ailleurs.
Ouais, plus 3 en santé, on est seulement à plus 1, puis on va avoir une nouvelle ville. Donc ça, on sera à 0 normalement. Ah, même à moins 4. Ouais, d'accord. Alors, je vais commencer par l'entrepôt de marchandises. Ouh, il prend mon explorateur. Il va pas survivre, à mon avis. C'est pas grave, j'en ai plus trop besoin là. Il n'y a plus rien à exploiter. Voilà, ça me fera de l'énergie en plus, un peu moins d'entretien. C'est pas plus mal. Bon. Je croyais que j'étais peinard avec la santé, mais en fait pas trop. Pour développement industriel, un petit peu d'énergie en attendant que. Parce que là, j'ai pas grand-chose à construire. J'ai pas envie de faire d'unité militaire tout de suite parce que ça va me coûter de l'énergie pour rien. Qu'est-ce que c'est comme quête? L'humanité a beau vivre sur une planète extraterrestre, elle lutte toujours pour récupérer ses découvertes scientifiques précédentes. Maintenant, nous avons des capacités de réseau, nous faisons un pas de plus vers le futur totalement inconnu. Ouais, un peu de culture. C'est justement ce qu'on disait. Sitôt pépinière, oui, il nous faut de la santé là. Et vite. Ah, au passage là, on est à 187, ouais, on est passé troisième. Hein. Bon, ça va, on n'est pas largué. Il y a un satellite qui vient de s'écraser. J'ai plus d'explorateur. Bah, on va en construire un du coup. C'est que 2 tours. Une autre station. Il est déjà fait? Bon. Alors on l'envoie. Du coup. On va reprendre le développement industriel. J'ai la déclaration d'amitié qui est terminée avec Kutama. Qu'est-ce que ça va me rapporter ça? Alors, la cité aux pépinières. Production d'unité militaire plus 5 ou production civile. Allez hop, production civile. Toujours à moins 2 de santé. J'aimerais bien avoir plus d'énergie pour acheter des structures et me développer plus rapidement, mais j'en ai perdu un peu trop. Alors, laboratoire, complexe de lancement, barrière ultrasonique. Il faudrait que je me débarrasse des miasmes parce que je peux pas exploiter les cases avec des miasmes. Et pour ça, il me faudrait. Ah ouais, il me faudrait le satellite là qui nettoie les miasmes. Bon, on va continuer avec laboratoire, comme ça la science ira plus vite. La population assaillera augmente. Ok. Je souhaiterais attirer votre attention sur un point. Alors, la clinique. Oui, mais c'est bon. Hein. Il insiste. Tac, 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 c'est empressé de transmettre pour analyse. Ils ont pu ainsi l'éthique extraterrestre. Bon, très bien, c'est pour plus tard. Bon, bah, du coup, lui, j'en ai pas une grande utilité. On va aller voir vers le sud. Alors, il y avait des survivants dans le vaisseau, ils étaient humains autrefois, mais ils sont différents aujourd'hui. Nous appelons les augmentés. Non, les accueille. Ok. Je pense que je ferai une quatrième ville. Là-bas en haut, ça peut être bien. C'est quoi? Du basalte. Dans le désert. Là, on a Mycète. Des Mycètes. Enfin, je sais pas comment on dit. Ah bah, continuer dans la science. Là, ça se développe très 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 lentement. Toc, je vois, j'ai pas besoin de lancer mon satellite. Tour suivant.
Ouais, non. Toi, tu continues à faire dodo. Voilà. Bon. Bah écoutez les amis, je crois que on a avancé de nouveau un petit peu, une ville en plus. On est dans la course, mais on se fait quand même distancer un peu par ces Slaves là. Il est où d'ailleurs? C'est central les Slaves? Non, c'est l'arc ça. Comment je peux aller dessus? Ah voilà. Krabost, il a une capitale à 6, la mienne est à 8. Bon, bah écoutez, rien n'est joué, je crois que ça va pas trop mal. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée ou nuit, et puis à très bientôt. Ciao!